Bonsoir Olivier Santini. Bonsoir Vanessa. Alors un mot d'abord sur cette récompense que vous venez d'obtenir, ce MIA Award du design. Ben forcément pour une jeune société comme nous, on est très flattés puisqu'on a créé notre société en 2019. C'est quelque part, on commence à avoir de la reconnaissance et ben forcément on en est très heureux. Donc, et c'est pour cette nouvelle collection MW qu'on vient de lancer en 2021, fin 2021. Pour nous, c'est vraiment important et ça permet de on va pouvoir communiquer dessus et le mettre en avant. Alors, c'est quoi la signature un petit peu de cette collection que vous nous avez proposée aujourd'hui ? Alors, Mojo aujourd'hui, la philosophie de Mojo, c'est de faire des produits qui soient design, fun, colorés, qui vont aussi bien en indoor qu'en outdoor, des produits qui apportent le sourire, la bonne humeur, qui sont un peu différents. Et Mojo, la marque Mojo, c'est un peu référence à Austin Power, avoir le Mojo, c'est le sex appeal. Et c'est une collection, c'est une collection qui a du sex appeal. Et qui plaît beaucoup. Et pour la petite anecdote, j'ai une cliente qui nous a pris un MW il n'y a pas très longtemps en verre. Alors MW, c'est le nom de la collection. Voilà, exclusive, pour laquelle on a été primé, la nouvelle collection. Et elle m'a appelé au début en m'inquiétant parce qu'elle m'a dit « Olivier, j'ai un problème ». Alors je dis « Bon, ben, qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Mon chien ne nous parle plus, il fait la tête à mon mari ». Parce que j'en veux énormément à mon mari, il passe son temps à caresser les parois de son fauteuil tellement qu'il en est fier et il en oublie de caresser le chien. Donc ça m'a fait beaucoup de sourire, mais j'ai remarqué que dès qu'il y avait un MW dans un endroit, les gens se l'appropriaient et c'est vrai qu'il y avait ce réflexe de vouloir toucher les parois et les caresser et c'est un peu ça, Mojo, il y a de l'attirance. Vous l'avez bien décrit, l'inspiration en deux mots que pour concevoir cette collection. Bah, moi, j'étais avant de l'autre côté de la barrière. Quand j'ai créé la marque Mojo en 2019, je suis parti d'un cahier des charges où j'ai voulu mettre des choses qui n'existaient pas, qui étaient différentes de plein de choses. Et du coup, j'ai réuni des amis, on a fait la fête une fois par semaine, on a échangé sur des idées. Et à un moment, j'ai dit, tiens, le gonflable, ça pourrait être intéressant. Comment le décliner? Comment lui donner une dimension design? Comment faire qu'il soit à la fois haut de gamme, qu'il soit à la fois aussi accessible et qu'il puisse être fun? Et voilà, on a eu l'idée de mettre un cadre, de mettre des choses autour, de l'accessoiriser. Et voilà, c'est parti de là. Et la collection MW, c'était de dire notre petite collection classique, comment on peut la rendre premium et faire du Made in France et faire un produit très haut de gamme. Et toujours avec cette volonté qu'on puisse customiser nos produits à partir d'une pièce et en faire des produits uniques. Et aujourd'hui, les gens peuvent s'approprier un Mojo, un MW et le faire unique. C'est ça qui est important. Est-ce que vous nous réservez d'autres surprises, Olivier Santini ? Alors, on va avoir beaucoup de nouveautés à partir de 2023 et même à partir de septembre. On va sortir des éditions limitées avec la collection MW, avec des artistes, avec aussi des matériaux où on va faire des inclusions avec des paillettes d'or pour les marchés un peu comme Dubaï, des choses comme ça. Okay. On va sortir des produits un peu atypiques. On va faire des collections avec des artistes et on va faire surtout une collection avec des collections capsules avec une styliste et une artiste américaine et qui fait des éditions de tissus et qui est très intéressée pour travailler avec nous et qui nous a sollicité pour faire une collection MW et une collection Mojo classique avec nous. Tout un programme, vous nous avez Exactement. Mis l'eau à la bouche. Merci infiniment, Olivier Santini, et encore merci.